Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Subnautica. Donc, hop, j'avais pas bougé d'un pouce, hein, j'ai relancé aussi sec. Il nous reste encore un Piper à cuisiner. Vas-y, le Piper. On va se le cuisiner tout de suite. Et bon, je sais pas si on peut le manger. Oui, parfait. Toi, santé. Merci, mais pas des pieds. C'est juste histoire de pousser un peu le système. Dans... Non, plus tard. Tu m'as dit... Il m'indique pas quand il y a des messages, j'aime pas ça. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn Charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Ok, bon. Il va se rendre compte de sa connerie en, dans quelques heures. Donc là on est bon. Et donc c'était plein ouest. Plein ouest, plein ouest, plein ouest. Ok, d'accord. Nouvel objectif. La construction de ceci. Donc ça veut dire retourner dans le même biome que tout à l'heure. Farmer l'argent. Le même biome, il est complètement à l'ouest. Ouest. Parfait. On y retourne. Alors pourquoi j'y vais? Pourquoi je veux construire ça? Parce que de toute façon l'habitat ça va être un élément nécessaire. Et j'aimerais placer mon habitat à un endroit très particulier. Hein. J'ai déjà mon idée. J'étais déjà en train de le construire en fait dans l'autre partie. Et j'aimerais placer la baie des véhicules mobiles. Ça peut paraître tout con mais ça m'évite de gaspiller trop de ressources. Alors... On en devient quand même assez con en termes de gaspillage quand on commence à se dire j'ai pas gaspillé un truc et un autre. Mais bon, c'est pour moi mieux comme ça. C'est mon avis. Alors on va pas foncer là-dedans parce qu'on sait qu'il y a de la saloperie. Mais voilà. Mon avis est que c'est pas une mauvaise idée de faire attention à chacune de nos ressources. Pour moi, de l'argent. Plomb, c'est pas ce que je cherche. De l'argent. De l'argent, c'est bien. J'aurais pas fait du cuivre. Peut-être te rattraper? Non, même pas. Un petit peu de cuivre finalement? Oui, ça y est. Alors le pire c'est qu'on doit pas être excessivement loin. Si... Enfin, je sais pas. Y a tellement... J'ai tellement peu de repères dans cet endroit que... J'aurais juré que t'étais un poil plus près. Ça c'est quoi ça? Capsule temporelle. Funny joke. What? Ah, je monte pas. Je croyais que j'allais continuer à monter pendant que j'étais en train de regarder PDA. Mais non. Ah merde! On va le voir de là. Baisse le bras, bonhomme. Elle en chie, Simone. Elle en chie, Simone. Bon, bah c'est pas avec celui-là qu'on repartira. Clairement, hein. Alors c'était quoi la funny joke? Capsule temporelle, funny joke. D'accord. Ok, c'est... Pourquoi pas? C'est nouveau, je savais pas que ça existait, en tout cas. C'est de la pure blague, ça pouvait pas... De toute façon, le nom pouvait pas indiquer autre chose, mais... Sait-on jamais? Un petit peu d'argent? Du plomb. Bonjour! Non, il en a après moi, hein. Je croyais qu'il en avait après autre chose, mais...
Non, non, c'est bien moi, son repas. Apparemment. Là. Allez, un petit peu d'argent. Putain, encore de l'or. J'aime bien, il te fait un petit bruit spécial pour l'or alors que t'as pas envie. J'ai pas envie d'en trouver. Le pire, c'est que je me rappelle pas de l'utilité de l'or en fait. Dans ce jeu. C'est joli, hein. C'est sans doute excessif. Excessivement dangereux, j'allais dire, mais. Lag un peu. J'espère qu'ils ont vraiment résolu ce problème de si tu fais trop de déplacements au bout d'un moment, bah ton jeu en chie parce que c'est vraiment débile. C'est un jeu à la base qui sert d'aller, enfin, qui est de l'exploration quoi. C'est un jeu d'exploration. Ce serait quand même bien stupide de le brider comme ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que t'étais là toi. Et ça c'est de l'argent. Je vais être juste, je vais être extrêmement juste. Non, c'est bon ? Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. C'est pas passé loin, mais ça passe. Ok. On continue avec l'argent. Je sais pas, moi, je dirais l'argent. Après, tu me diras, on a peut-être pas beaucoup d'espace restant. Deux. Il faudrait qu'on trouve deux d'argent, précisément. Ce serait très très cool. Et la nuit tombe, et la nuit tombe, et la nuit tombe. Et je vais rien y voir. Donc, autant rentrer. On coupe tout. On profite de l'énergie à fond. Et on se rentre. On ne la gaspille pas trop. Faut pas trop la gaspiller pour autant. On en a besoin. De piles gaspillées pour faire une pile haute capacité, mais on n'a pas besoin non plus de gaspiller l'énergie en question. Il faut que je garde ça en tête. Il faut que je garde ça en tête. C'est quand même joli, hein, regardez ça. Bon, il y a quelques trucs qui disparaissent, qui réapparaissent à droite à gauche, c'est comme ça. Le jeu est à fond, hein, je le fais tourner à fond quand même. Hein. Et du coup, tous les lags que vous voyez ne sont pas des lags graphiques, pas du tout. Hein. J'ai pu me permettre d'aller voir au niveau de ce qu'ils prenaient en jeu. En tout cas, avant l'arrivée de la 1.0. Et comme je considère que ce sont principalement des bug fixes qui sont arrivés ces dernières semaines. Mais non, non, le jeu est très très bien. C'est le vrai problème qu'on avait, c'était pendant un temps que plus vous exploriez, en fait, plus vous affichiez de contenu, plus les différents assets en fait prenaient de la place dans la mémoire du jeu. Et c'est là que le jeu en fait n'arrivait plus à gérer, le moteur du jeu n'arrivait plus à gérer le. Parce que ce qu'il y avait à charger, quoi, tout simplement. Ok, donc on avait fait ça pour obtenir. Ah, c'est maintenant que tu me la files. Bon, bah, c'est pas grave, on va la faire tout de suite. Ah, bah oui, maintenant qu'il a explosé. Suis-je bête? Suis-je bête? Oui, Marcus, tu l'es. Ah bon, merde. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah, oui, ça. Exact, exact, exact. Là, il me faudra un fil de cuivre que je peux déjà faire. Cool. Le constructeur d'habitat. Génial. Génial, génial qu'on l'ait déjà. C'est vraiment génial. Pourquoi je ne peux pas? Parce qu'il me faut un circuit intégré que j'ai pas pensé à crafter alors que j'ai crafté le fil de cuivre exprès pour. Bon. C'est fait. Type de câblage avancé. Et tu me l'affiches pas. Ah bon? Pourquoi tu me l'affiches pas? Bon, tant pis, laisse tomber. Et voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. En fait, là, je viens de me rendre compte que je viens de gaspiller, enfin que j'aimerais utiliser la pile que je voulais garder. Mais c'était pas grave, on va faire avec. On va boire un coup, ça me fait du bien. Hop, la bouteille d'eau, elle est là. Hop. Au moins, on a le builder, ça c'est cool. Donc le builder, de toute façon, on peut le
Voilà, ça c'est cool aussi. Le builder, pour l'instant, on peut le garder ici. Il ne m'intéresse pas du tout. Mais au moins, on sait qu'on l'a. Ça, par contre, je le récupère. Je vais faire... Ah bon ? Ah, il m'en faut deux. D'accord, ok. Je ne savais pas qu'il m'en fallait deux. Je croyais justement que, compte tenu de la place que ça prenait, une suffisait largement, mais... Mais non. Apparemment, non. Pourquoi pas ? Et t'es en train de me dire qu'il m'en faut combien, là, pour... Et je crois que l'autre maille de fibre, voilà, je l'ai utilisé. Génial. Génial, génial. Alors, attends. Parce que là, j'ai tellement de plomb sur moi que ça ne vaut même pas le coup d'aller chercher un peu plus de fibres. Alors, lumière, sésame, c'est par là. Pourquoi je dis sésame, je ne sais pas. Alors là, attention, il y a des... Alors, j'essaie de pas taper sur... Bonjour ! Ah, il m'a fait peur. Je pensais pas qu'il me suivrait aussi loin. Oh, mon petit cœur, il a pris cher là. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Ah là là. Oh, il m'a fait peur. Oh, le connard. Il est bon, ce mec, il est bon. Deux de plomb. Non. Ah, j'ai pris un truc, c'est pas du plomb, c'est du sel. Mais merde, c'est du sel. Pas pareil. Si vous mettez du plomb sur votre bouffe, vous allez pas être bien. Ça, c'est moi qui vous le dis. Vous allez vraiment pas être bien. Par contre, ce serait bien que j'ai... L'heure qu'il est. Tant pis. Oui, et j'ai crafté ceci. Donc voilà, c'est... ça va être nécessaire aussi un peu plus tard. Bien sûr, je vais le consommer, bien sûr, mais tu me prends vraiment pour un. Hop, voilà. Hop. Déposer. Voilà, casse-toi, tu pues. Pourri, tu pues. Oui, et de la santé, c'est ce que je voulais. Voilà. Message radio. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. Okay. What cool. Else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR, and I blew it. Was in VR. Il était en réalité virtuelle. D'accord. Ok, donc il va se décarcasser pour nous sortir de là. Type bien malgré tout. Nouvel objectif. Nouvel objectif, nouvel objectif, nouvel objectif. La construction du découpeur laser. Je pense que ça va être nécessaire. Pile, titane, soufre, c'est faisable. Diamant, c'est plus chiant. Diamant, 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 c'est plus chiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'heure et je reviens. Parce que là, ça m'inquiète un petit peu. Ok, re, chers amis, du coup, bon, on a un petit peu de temps encore. Un petit quart d'heure. Très petit quart d'heure. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je sais plus du tout par où c'est. De mémoire, c'est... Si ça, c'est à l'est... Devrait être par là. On va aller se diriger par là, on va aller voir. On va aller voir vite fait, on va aller faire un petit trajet. Je recherche un biome. Je crois que c'est au nord-ouest. Ouest-nord-ouest. Je suis pas tout à fait sûr. Jusque là, ça me semble être ça, par contre, en termes de visuel. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que je vais avoir assez pour faire l'aller-retour avec mon énergie restante? Est-ce que j'ai de la lumière là? Non, j'en ai pas, c'est parfait. Alors si vous n'êtes pas habitué à ce genre de comment
d'indication ouest-nord-ouest. Vous pouvez être, vous voyez en haut, c'est comment ouest et nord-ouest, donc nord-ouest à droite, ouest à gauche de ma boussole. Et en fait, en indiquant ouest-nord-ouest, je suis littéralement entre ouest et nord-ouest. C'est très très simple, hein. C'est excessivement simple, très peu de personnes y pensent, mais c'est efficace et c'est canon, hein. C'est-à-dire que c'est utilisé. Tout le monde pense qu'il n'y a que 4 points cardinaux, nord, ouest, sud, est, et qu'on n'utilise que des nord-ouest ou des sud-est, mais vous pouvez encore découper tout ça. Alors, je pense qu'on est plus ou moins dans la bonne direction. On va peut-être se diriger par là. Et on y est. Ok, c'est dans ce biome, chers amis. Donc c'est plutôt nord-nord-ouest, pas ouest-nord-ouest. On va passer plutôt nous en plein nord-ouest. C'est dans ce biome, et je peux vous dire exactement où si on le trouve, ben voilà on y est, qu'on va réaliser notre base. Peut-être qu'on va la commencer dès le prochain épisode même. Alors pour plusieurs raisons, là-dedans il y a plein. T'es pas censé être là toi. Alors lui là en bas il est pas censé être là. Parce que normalement cette zone est pacifique, ou presque. This area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Alors normalement, cette zone est censée être complètement pacifique ou presque. Quelques rares créatures qui y viennent. Peut-être qu'il faudra que je m'en occupe tôt ou tard. Mais normalement, c'est ici qu'on va construire notre base. Sur ce caillou, hein. Il n'y a pas d'autre truc, hein. C'est ici. Mais normalement, le mec en bas n'est pas censé être là. Lui, il n'est pas censé être là du tout. Je sais pas si je peux m'attaquer à lui. Eh bien, papa. Il faudrait que j'ai le canon à propulsion pour ça. Il m'a vu. Non. J'ai des couilles moi, hein. Je m'attaque au gros poisson s'il faut. Tu ne t'enfuiras pas. Je sais pas s'il a des PV, normalement oui. Je m'en fous, tu me ramènes du côté de ma maison moi. Hein. Allez, viens voir. Putain, j'ai plus 4% de batterie, ça va me faire mal ça. Tiens. Des cèdes. Je l'ai eu. On appelle ça le talent. On appelle ça le talent. Continue à bouger autant que tu veux, t'es mort. T'es mort, bonhomme. Voilà. Bah, je suis content de l'avoir eu, vous savez. Vous savez quoi, pardon? Parce que normalement cette zone est complètement pacifique, ce qui fait que ça me fait une base très très prospère. Et surtout elle est entourée de plein de choses, il y a du diamant, il y a tout là-dedans. Et elle est aussi très très belle à voir une fois que vous avez mis quelques vitres. Vous le verrez par vous-même et vous avez pu voir le type de faune qu'il y avait. Et même la flore est assez jolie. Donc vraiment très jolie, vraiment très très sympa. Et surtout pas cher à entretenir, entre guillemets, vu qu'il y a très très peu de créatures hostiles. Aussi, autre raison pour laquelle elle est intéressante, je peux par exemple en me mettant en haut récupérer de l'énergie solaire, ce qui en journée peut être très intéressant. Voilà, j'ai plus de piles. Autre chose intéressante, je peux aussi la. C'est assez sympa à voir visuellement, j'en ai vu quelques-unes qui étaient sympas. Je peux en fait la déplacer de manière à ce qu'on ait plusieurs niveaux de la base. Et c'est assez sympa visuellement. Franchement, j'ai vu des choses très très jolies dans cette zone. Ça coûte forcément beaucoup de ressources. Je pense que je la ferai de manière legit, c'est-à-dire que j'irai chercher les ressources. On ira peut-être les chercher ensemble. À vous de me dire dans les commentaires si vous voulez faire toutes les ressources ensemble pour cette base. Ou si vous préférez peut-être que je la fasse en cheatant. Hein. Si vous voulez que je fasse un truc juste stylé, un petit peu comme je faisais avec Starbound. Je peux faire un truc stylé. Et l'intérieur, après, je le ferai de manière legit s'il le faut.
tout cas les différents objets dont j'aurai besoin. Ça, je pense que ce sera honnête de le faire de manière legit. Après, la conso de la base, si vous voulez qu'elle soit jolie, je pourrais la faire en JT. Mais je pense plutôt que je ferai tout en legit, on verra. Donnez-moi votre avis, c'est votre avis qui compte, hein, comme d'habitude, vous le savez. Mais hop, on va récupérer deux petits ici. Regardez s'il n'y a pas un petit peu de cuivre aux alentours. Le cuivre, c'est la vie. Qu'est-ce que tu fous? Ah non, c'est un... Je croyais que c'était un... Une saloperie qui vous bouffe dans les herbes rouges, vous savez. Alors, il y a très peu de chances que je retrouve un petit peu de cuivre par là. Connard! Je t'avais complètement zappé, toi. Enfin, surtout zappé que tu pouvais être présent ici, quoi. Mais écoute, ça tombe bien, chercher du soufre. Pas la peine d'aller par là pour le moment. Ah, ici il y a quelque chose. Vous voyez, c'est quasiment invisible. Je l'ai pas scanné, j'en profite. Parfait. Excellent, excellent, excellent. On est bon, donc on a de quoi se faire une nouvelle pile pour notre truc. Ce qui fait qu'on a toujours une pile en rad. Et on n'a pas l'autre pile, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est pas excessivement nécessaire, sauf si on voulait faire le CMOS. Mais maintenant qu'on a l'endroit où nous souhaiterions le placer, c'est d'autant plus intéressant. La baie des véhicules, on sait où la placer maintenant qu'on a l'endroit, récupérer l'endroit, retrouver l'endroit où nous souhaiterions aller poser notre base. Du coup, ça va devenir en fait extrêmement intéressant à faire. On est bon, on a notre pile, on la recharge. Qu'est-ce qu'on a sur nous? Plein de choses. Alors sans découpeur laser, je pense pas que ce soit encore utile d'aller déjà... Qu'est-ce que c'est que ça? Échantillon fongique. Ok. Ok. Or, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or, j'en ai partout. De l'argent, je laisse par contre. Ça, c'est extrêmement intéressant, j'en ai qu'un. Donc voilà. Merci. Donc au moins, on sait où est-ce qu'on va faire la base. On sait comment on va la faire. On a les objets pour la construire. On n'a pas les ressources, mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Il faut principalement beaucoup de titane. Et là, qu'est-ce que tu nous dis? I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Ça, je l'avais pas vu celui-là. Alors grosso modo, apparemment, selon Simone. Bah alors? Bah... What? Ça c'est les journaux de bord? Ah voilà, c'est ça. Cool. Ah, falloir que j'aille le rechercher. Y a pas l'onde. Ah, c'est génial. Capsule de survie 4, je ne l'ai pas, la capsule de survie 4 de mémoire. C'est pas mal. J'aime bien. 100 mètres de profondeur, donc c'est assez profond. Localisé dans une zone dense à herbe rouge, à proximité d'un certain nombre d'arches naturelles et d'amas de roches. Donc, n'ayant pas la capsule de survie 4, pour l'instant, je ne peux pas la trouver. Au niveau des radiations, donc ce serait plus ou moins par là, du côté du vaisseau. Ok, alors faudra que je me renseigne pour ça. Enfin, que je me re-renseigne moi personnellement, je veux dire, dans le sens où
quand je relancerai la partie, parce que là je vais finir la session de tournage, faut que je vous montre le premier épisode et l'upload dans la journée là pour ce soir. Donc je pense que je vais m'arrêter là, on est à peu près 25 minutes d'épisode. Je vous laisse là pour cet épisode, il faudra que je pense à revérifier tout ça avant de partir à sa recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me le rappeler si jamais je l'oublie, dans la troisième vidéo de cette session. Et moi je vous retrouve donc dans quelques jours pour la suite de l'aventure. Voilà. Salut les gens!